J'ai lu un sondage comme quoi les gens qui étaient les plus propres sur Terre habitaient la Yougoslavie. En même temps, c'est normal. C'est pas vraiment étonnant que les Yougoslaves... Ouh ! Nom de Zeus, Marty ! Alors, c'était bien la France en 2045 ! Alors Doc, Hanouna est président, je me suis fait flasher à 30 km/h sur la 36, et puis j'ai payé 150 € un paquet de Marlboro. Nom de Zeus et Michel Drucker. Bah il va bien, pourquoi? Ah pardon, excusez-moi. Je voulais regarder ma beauté dans le miroir. Si, je me suis trouvé tellement beau, je voulais me regarder de près. Ne rigolez pas, je suis très premier degré. C'est très vexant. Allô, allô, Sandrine, je suis amoureuse. Eh ben c'est bien, c'est positif ça. Mais non, parce que j'ai peur qu'il me quitte. Mais faut pas penser à ça. Du coup, je vais le quitter. Parce que j'ai trop peur qu'il me quitte. Moi, tu comprends, je veux pas être malheureuse, Sandrine. Enfin, Laura, si tu le quittes, tu vas être malheureuse parce que tu l'as quitté. Ça ne rime à rien. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois, je déteste la cuisine. J'ai toujours détesté ça. Mais s'il y a bien une chose pour laquelle on se battait avec ma sœur, c'est pour ça. Qui c'est qui sort la salade? Moi, 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 moi. J'ai une passion pour essorer la salade. Wouah. Et même quand il n'y a pas de salade, tu les sors quand même. Aujourd'hui, dans Complément d'enquête, nous retrouvons Daniel. Il y a quelques jours, Daniel s'est fait larguer. C'est pourquoi, hier soir, vers 23h15, Daniel s'est inscrit sur Tinder. Après quelques likes, Daniel a eu un match. Un beau jeune homme, bien fait, du nom de Martin. Elle lui a donné rendez-vous ici, au Vaugirard. Elle attend son date avec impatience. Car Daniel espère retrouver l'amour. Elle espère ne pas rentrer seule. Et ce soir, elle espère, sur le clic-clac, qu'il la fera monter au 7e ciel. Ah, je me mets à l'origami, c'est-à-dire des trucs en papier compli. Sympa. Et voilà un magnifique dragon. Ah oh, putain, c'est de la merde, c'est du dos. J'ai trouvé un briquet. Tu vas encore, je vais te faire cracher le feu, hein, putain de dragon. Vas-y, crache le feu. Ça, c'est de l'origami super bien fait. Ça brûle, allez, vas-y, le dragon, crache du feu. Putain, mais c'est chaud. Putain de dragon. On est à l'aéroport. Moi, j'ai mon passeport. Tu as tapé des identités ou quoi? Non. Oh là là. Oh, si tu l'as pas, moi j'y vais, tu prends un autre. Hein. Ah, ouais, vas-y. La
mademoiselle. Non, j'ai pas le temps, tu dégages. Non, non, tu vois, ça, en fait, ça, le feeling, le truc, ça marche pas comme ça, parce que t'as pas le temps, parce que t'as pas de nom. Déjà, premièrement, princesse crêpe, voilà, t'es une princesse crêpe, parce que je sais pas, c'est quoi ton problème dans la tête? Tu crois que je suis venu te dire bonjour pourquoi? Pour te draguer? Non, parce que quand t'es parti, t'as laissé tomber 50 euros. Et les 50 euros, tu sais, ils sont à qui maintenant? Ils sont à moi, ils sont à moi, ça va me faire un petit pourboire, je vais m'acheter des crêpes, parce que t'es une princesse crêpe. Tu me fous la rage. Les meufs, je vous comprends pas comment vient vous parler, vous êtes là. Ouais, ne parle pas, hey, c'est la politesse. P-O-I-T-S, etc. Et sinon, vous avez fait quoi ce week-end? Ce week-end, bah nous, samedi, on était à Disney. Samedi? Dimanche, t'as eu dimanche. Parce que nous, c'est samedi. Non, non, samedi, on avait fait le truc. Tu te rappelles qu'on a que ça avait parlé, le truc qu'on avait fait à deux. Non, t'as fait quoi? C'est moi, j'étais avec ma copine, ça, on était à Disney. Gros, mon gars. J'allais dire, tu parlais de me faire toucher, me faire des signes, ça sert à rien. Je te dis qu'on était samedi, moi et ma copine. Les photos, on est parti à Disney, on a fait le roller coaster, regarde. Oh, le con, non. Je suis avec ma copine, il est con. Eh, tu me dégoûtes, eh, t'es con, la tête, t'es con, t'es un con, tu sais, je faisais quoi samedi? Je te le prends pas, je te mange plus! Voilà, je fais ça! Je te demande un truc de me sauver, de dire, ouais, Kader, j'étais avec toi, tu sais pas, t'es bête ou quoi? T'es pas un ami, t'es un mi. La tête de ma mère, t'es la mi de pain. Normalement, un ami, ça doit sentir ça. Ta copine, elle est moche, c'est une curly, on en trouve partout des curly. Hop là, oh, une curly, oh, une curly. Faites un CAP, je suis con, je m'appelle Riyad, la tête de ma mère, tu l'auras le facile. Putain, à cause de toi, tu fais des trucs de baiser. Moi, je t'aime pas! Voilà, je t'aime pas! Tu m'énerves, tu peux pas manger son mec. Mais Kader, j'étais pas avec toi samedi, pas besoin de. Voilà, bonjour, j'aimerais revenir sur une expression assez connue, ne pas pousser mémé dans les orties. Ben non, il faut pas pousser mémé dans les orties, poussez-la directement dans les escaliers, vous aurez l'héritage beaucoup plus vite. Bonne journée. What's happened? What? What's happened? What? What's happened? I don't understand. Stay back, please. Stay back. Just now when it comes to Justin, first leg with the move. Stay back. Stay back. Bro? No. Stay back, yes. Please. Yes, stay back, yes, please. Yes. Please stay back. I don't move. You don't move. I don't move. You don't move. No, okay. I don't move. He don't move. I don't move. Okay. It's good. 1, 2, 3, piano. Okay? I don't speak English. Okay, okay. I speak French. Of what? I speak only French. French? Ouais, yes. Okay. I'm a Frenchman. Je rigole avec toi. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que les oiseaux ne regardent jamais France 5? Bah non. Eh ben parce qu'ils ont pas la télé. Ouais, ouais. Quand on n'est pas dans l'ambiance, faut mieux la raconter plus dans l'ambiance en fait. Ouais, rappelle-moi de pas aller dans tes soirées. Hein. Salut, t'as qu'est-ce que t'es belle? Dis pas merci. Salut, t'as qu'est-ce que t'es belle? Merci. De rien, comment tu t'appelles? Merci. Enchanté, moi je m'appelle Kenzie. Miss, dis-moi de quelle origine? Merci. Ah non, mais vous les dire pas mal, non? Quelle est la plus grande bêtise que vous avez commis depuis que vous êtes ensemble? Bêtise? Vous voulez dire? Oubliez que je suis votre papa? C'est bon, on est majeur, maintenant on peut le dire. Mais quand on l'a fait sur le fauteuil? On est parti à la pharmacie chercher une pilule pour le lendemain. Vous imaginez, on aurait été parents à 16 ans. Non, parents à 16 ans? C'est pas vrai. Je te jure. Et quoi, vous avez pas une autre histoire à nous raconter? Je vais te tuer. Narbonne, petit, ta gueule. Tu vas devenir un zombie aujourd'hui. Je vais te croquer l'oreille. Tu m'as déshonoré. Tu m'as déshonoré, ma fille. Tu m'as déshonoré sous les fauteuils. Sur les fauteuils familiales où je bois les cafés tous les matins. Toi, tu viens faire les trucs chelous.